Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau tuto vidéo aujourd'hui. Alors, pour tout vous dire, il y a environ 2 mois, je suis tombée folle amoureuse d'un morceau de tissu que j'ai trouvé dans un petit magasin là aux alentours de chez moi. Impossible de savoir ce que j'allais en faire, et en fait, il y a quelques jours, 3-4 jours, en regardant les réseaux sociaux, une nana que je suis a présenté un nouveau sac et je me suis dit, c'est bon, c'est pour ce sac. Donc j'ai contacté le designer de ce sac et elle est OK pour un tuto vidéo. Donc je vous le présente aujourd'hui, il vient de Sally Tomato. C'est un designer américain et elle a décidé d'appeler ce sac The Scarlet. C'est un joli nom, je trouve, hein, quand même, Scarlet, pour un petit sac. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans le patron, qui est, je tiens bien à le dire, pour les débutants, est tout à fait accessible pour les débutants. Elle explique même comment faire le petit pompon ici. Je vous le montre. Un peu plus près. Voilà. Franchement, je ne l'ai pas trouvé très très difficile, ce sac. Il est très très bien expliqué. Je dirais qu'il y a très très peu d'accessoires à rajouter. Donc, pas de fermeture éclair, toujours. Une fermeture magnétique. Vous aurez besoin de quelques petits anneaux comme ça. Donc moi j'ai mis des demi-lunes. Voilà, mais j'ai mis un. Alors j'ai voulu mettre un petit peu de vinyle. J'adore ce petit faux vinyle. Il est. J'espère qu'il se voit bien sur la vidéo. Il est marron. Voilà. Je l'adore. Il est très facile à utiliser, très maniable. Très facile à coudre, vraiment superbe. Donc voilà, donc moi j'ai fait le petit sac en mousse, j'ai préféré pas mettre qu'on appelle ça d'entoilage, pardon. Mais du coup, il est très très léger, vraiment léger. C'est un petit sac que je me vois bien mettre pour aller boire un petit verre avec les copines à la terrasse d'un café. Regardez sur moi. Voilà. Il est assez grand, hein. Je le pensais un petit peu plus petit, honnêtement, quand je l'ai vu sur la photo. Mais non, il est très bien. Je pense on peut mettre facilement une bouteille d'eau même dedans. Donc, toutes nos petites affaires. Voilà quoi. Bon, je vais vous laisser sur le tuto vidéo. J'espère qu'il va vous plaire aussi. Laissez-moi des petits commentaires, hein, et puis surtout, mettez vos photos. Voilà, à bientôt!